Benjamin Mendy, Camille Glick, Jemerson, Marc Albrighton, Gaël Givet, Geoffrey Jourdren, Henri Bédimaud, Florian Thauvin, Alphonse Areola, quels sont les points communs de cette liste non exhaustive? D'aucuns les qualifieraient de fraude, d'autres plus mesurés diraient que ce seront des joueurs qui ont surperformé le temps d'une ou deux saisons ou ont même une compétition. Et c'est ça qui est formidable dans le football, le collectif. Comment expliquer qu'un joueur puisse apprendre ou désapprendre à jouer au foot d'une année à l'autre? La confiance ne fait pas tout, en tout cas elle se construit à plusieurs. Moi je l'ai été. J'étais de ces joueurs. Au niveau des jeunes, je fais partie d'équipes formidables. On comprend assez vite qu'on est le Benjamin André de l'équipe. Quand chaque début de saison, un, deux ou trois potes ne sont plus là qu'à repérer par un club pro. Mais quel plaisir tout de même. Quel plaisir d'être ne serait-ce qu'un pion dans une machine super bien huilée. Tout est plus facile. Sentir un collectif que personne ne peut faire éclater. Une espèce de force motrice inarrêtable. Et on le sent. On est entouré, on n'a plus peur, on n'a pas froid, on tacle, on se tue, on se donne parce qu'on est ensemble. Dans la même direction, tous ensemble. En pro, c'est pareil. Peu importe le talent, rien n'est possible tout seul. Alors oui, c'est un poncif un peu facile, mais quand il est si bien illustré, comment est-ce possible de l'oublier si souvent? Seuls les groupes vont loin. Seule la solidarité et l'entraide fait avancer. L'individualisme et l'égoïsme n'ont jamais amené bien loin. Et c'est très simple, on le voit encore plus simplement dans la société aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on sait faire tout seul? Je veux dire vraiment tout seul. Sans se servir d'un produit, d'un outil, d'un service fourni par quelqu'un d'autre. Regardez l'effectif de Strasbourg l'an dernier. Et cette année, il n'a pas beaucoup bougé. Mais cette année, ça marche. Car le discours passe. L'objectif commun est entendu, alors certainement qu'ils se sont dit des choses, ont réglé des problèmes pour faire équipe, avancer en groupe. Et c'est plus fort. Quelle douce folie peut te faire te recroqueviller sur toi. Rejeter les mains tendues, t'enfermer, penser que t'es tout seul, avoir raison contre tous les autres. T'es pas un génie, t'es juste un mec pas très bien à mon avis. T'es un mec qui a jamais trouvé son équipe, t'as jamais su te fondre dans un groupe alors t'es resté sur le côté. Et puis sur le côté t'as vu que vous étiez plusieurs à pas être très bien alors vous avez tenté de faire un groupe aussi. Mais vous saviez pas trop quoi faire et vous aviez pas d'objectif commun. Votre seul objectif c'était d'annihiler celui des autres et ça, ça marche jamais trop. Depuis que les promus ont arrêté de garer le bus dans leur surface, les promus marchent mieux. Comme quoi, faut jamais se recroqueviller, jamais faire bloc et tout balancer. Faut s'ouvrir, essayer, être audacieux. Faire ce qu'on faisait il y a 50 ans, ça a jamais marché. Et puis de toute façon, je le répète, tu sais faire quoi tout seul? Moi j'ai 2-3 notions d'origami, pas plus. On n'est jamais meilleurs tous ensemble. Voilà pourquoi je suis très content de tous vous retrouver, tous ensemble, bien à notre place pour aller le plus loin possible. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Poteau Carré. Bienvenue à tous, bien content de vous retrouver, on part sur une belle émission encore, quoique un peu triste, je vous en dis pas plus. Laissez-moi introduire les personnes sans qui j'aurais jamais fait ce podcast. Les mois passent et ils ne se lassent jamais de nous rappeler que l'on est champion du monde en titre, certainement une manière d'oublier la grise mine de son Noël. Val, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien Jules, et puis très belle introduction, surtout quand on sait qu'on va parler de Bordeaux pendant près d'une heure. C'est marrant de parler de collectif, un petit sujet tabou à Bordeaux. J'ai pensé aussi. Lui, au fur et à mesure où les mois passent, il se frotte les mains en se disant que l'actualité footballistique d'aujourd'hui se transformera en belles histoires de foot à l'avenir. Comment va notre père castor national, Flo? Mais écoute, ça va très très bien, ça va très très bien. On va vivre une très très belle semaine de football, je pense, avec beaucoup de très beaux matchs. Ça a bien commencé pour toi, tu reviens du parc? Je reviens du parc, mais le match que j'attends, vous le verrez sur ma carte blanche, il est samedi. C'est vrai, les frissons sont déjà là. C'est pas parce que je suis malade. Et enfin, pour finir, lui, au fur et à mesure que les mois passent... Merde, il en reste plus des masses. Alex, ça va? J'en étais sûr. Je savais que ça allait être un truc comme ça. Ouais, ça va très bien. Et très belle intro, Jules. Sûrement un hommage au PSG aussi. Oui, bah exactement. J'ai presque voulu finir là-dessus en disant que ce serait bien qu'on soit un peu moins le PSG et un peu plus des collectifs de parfois. C'est mieux. Avant qu'on rentre dans ce gros sujet qu'a vendu Val, entre-temps, les grands Girondins, une question d'actu très simple, parce que moi, j'ai encore vu que ça a tapé des records d'audience sur l'équipe, donc ça m'intéresse de savoir qui regarde ce truc-là. Est-ce que vous, les gars, très rapidement, ça vous intéresse encore la cérémonie des Ballons d'Or et son attribution? Bah, comme on connaît le résultat 3 semaines avant, non, plus ouais. Vraiment. Non. Et le résultat en lui-même, ça t'intéresse ou pas? Non, pas tellement, pas parce qu'il n'y a plus trop de suspense, en fait. Ouais. Pareil, non pour moi, parce qu'on n'en comprend plus et on n'en connaît plus les critères, donc non pour moi. Moi ça m'intéresse pas, mais je trouve que ça a encore une certaine valeur symbolique qu'il faudrait peut-être remettre au goût du jour. J'écoutais Daniel Riolo justement après le Ballon d'Or qui disait que c'était encore un système démocratique. Alors je suis pas complètement d'accord avec lui, mais je pense que justement il faudrait peut-être remettre en place un système un petit peu plus démocratique pour que cette récompense ait une vraie valeur aux yeux des gens. Oui, bah ça je suis d'accord, mais après on a vu les réponses. C'est quoi le journaliste Ouzbek là qui a dit qu'il n'avait pas voté Lewandowski parce qu'il n'allait pas assez vite sur FIFA, enfin, et qu'il n'avait pas gagné avec l'Allemagne? Ouais. Si ces gens-là votent, c'est un peu galère. En même temps, t'es spécialisé sur la démocratie en Ouzbékistan. c'est vrai aussi. On demandera à Jean-Baptiste Guégan. Bon, passons au gros sujet, messieurs.
Bon, messieurs, il y a 15 jours, on était heureux de parler d'un grand club qui reprenait de jolies couleurs avec le Milan AC. Là, on est un peu plus triste. On va vous parler d'un autre grand club qui, lui, semble partir à la dérive. On vous parle aujourd'hui des Girondins de Bordeaux. Il faut bien le dire, ça fait quelques années que c'est pas réjouissant pour nos amis à l'Ouest. Mais alors, depuis la vente de M6 au groupe américain King Street, c'est complètement la descente aux enfers. On va pas trop s'attarder sur la période King Street, GACP, etc. Vous allez y revenir un petit peu. Mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est l'arrivée... du grand Gérard Lopez, l'homme qui maquillait ses bilans de manière encore plus outrancière que ta petite cousine qui va à sa première boum. Donc il est arrivé plein de promesses, il a ramené Petkovic dans ses affaires. Est-ce qu'on peut faire un bref retour en arrière, les gars, et voir dans quelles conditions la vente d'Eliott a été actée et l'arrivée de ce joyeux luron aux commandes? Mais avec grand plaisir. Il faut savoir qu'il arrive dans un contexte ultra favorable, non pas sur le point de vue financier, mais l'accueil des supporters. Pour faire simple, M6 vend le club à deux fonds d'investissement américains en 2018, à savoir King Street et GACP. Gestion catastrophique de la part des dirigeants et des fonds d'investissement. King Street rachète les parts de GACP et les éjecte du projet. Finalement, malgré une volonté d'assainir les comptes et de faire de l'oseille, parce que c'est toujours ça le but premier des fonds d'investissement, ils se retrouvent avec un déficit de 60 à 80 millions d'euros. Et les mecs ne se sont pas embêtés, puisqu'ils ont tout simplement décidé de lâcher le club. C'est pas con. C'est-à-dire qu'il faut voir que King Street, donc, quand ils reprennent le club, en tout, ils ont dépensé 170 millions d'euros. Donc là, on ne parle pas de l'entraînement du club, 170 millions d'euros de dépenses dans Bordeaux, et effectivement on a au mois de mai-juin 2021, donc cette année il y a à peu près 6 mois, King Street qui refuse de remettre au pot alors qu'il est le seul actionnaire majoritaire, enfin le seul actionnaire du club, et donc il y a une relégation administrative qui est prononcée par la DNCG. Le club est quand même placé sous le tribunal de commerce, sous contrôle du tribunal de commerce, donc c'est-à-dire que là, Bordeaux, si cette époque catastrophique aurait perduré et que Gérard Lopez n'était pas arrivé, serait peut-être probablement aujourd'hui même plus dans le monde professionnel s'il n'y avait pas eu d'investisseurs qui auraient repris. Mais du coup, c'est peut-être ça qui fait que tous les Bordelais ont arrivé accueilli l'arrivée de Gérard Lopez avec un clapping entre guillemets, quoi. Ouais, clairement, c'est pour ça qu'il est arrivé là-dessus, parce qu'on sait, on connaît un petit peu le passif de Gérard Lopez et tous les contentieux qu'il y a notamment au LOSC. Mais ouais, c'est vraiment, et en plus l'avantage de ce mec-là, c'est qu'il est quand même très très fort en communication, et c'est pour ça qu'il arrive, il dit on va redorer le blason, on va revenir à l'ancien écuisson qui avait été changé, enfin à l'ancien logo. Alors, qui avait été changé. Il dit ça encore mieux, il dit on va pas revenir à l'ancien logo, on va revenir au seul logo. Au seul logo, ouais, exactement. Donc il arrive. Il faut savoir que c'est un énorme communicant. Je pense qu'on reviendra un peu plus tard sur Gérard Lopez en particulier, mais c'est un très très bon communicant qui fait que c'est pour ça qu'il arrive accueilli comme un roi. C'est ce que j'allais dire, parce que je trouve qu'il bénéficie d'une assez bonne cote auprès des gens qui suivent pas trop de près le football. Probablement aussi parce que son bilan à Lille, en tout cas le bilan sportif, est plutôt bien. Il y a cette première année très compliquée avec Bielsa où ils essayent de lutter, ils prennent Galtier et au final ils vont finir deux fois en Ligue des Champions. Ils finissent champions même si lui est évincé sur les derniers mois. Son bilan sportif, je pense, joue aussi beaucoup aux yeux des supporters bordelais. Et autre petit point de contexte, il faut savoir quand même qu'au moment du rachat, il a face à lui Didier Quillot, qui est l'ancien président de la LFP et un peu responsable du fiasco Media Pro. Donc oui, je pense que les responsable supporters, de beaucoup de choses, Didier, il aime bien laisser traîner les pattes. Justement, quand il arrive, Lopez, il arrive de quelle manière? C'est comment il fait pour présenter les comptes, parce qu'on sait qu'il a sauvé au dernier moment à la DNCG, mais est-ce que vous, en détail, vous pouvez me dire, il arrive avec combien, qu'est-ce qu'il promet, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive avec un projet financier qui est assez clair, qui est donc la première étape pour lui, c'est de se présenter à la DNCG et de réussir à valider ce nouveau projet pour que la descente administrative soit annulée. Et lui, il arrive et la DNCG, donc il présente son projet, la DNCG lui dit ok, mais à une condition, c'est que vous couvrez les 50 millions de dettes qu'il y a actuellement au sein du club. Il propose lui de mettre 7,5 millions d'euros, donc ça on reviendra un petit peu plus tard sur ce qui déjà d'où, est fou. D'où ça provient, ce qui déjà est fou, ouais. Parce qu'au final le mec va être propriétaire et actionnaire, alors qu'au final il est actionnaire minoritaire, c'est pas lui qui met le plus. Bien sûr, ouais. Il arrive à dégoter 2,5 millions par le club scapulaire, qui est en gros un groupe d'entrepreneurs, donc ça fait 10 millions en tout. Il arrive à négocier 20 millions de prêts auprès de King Street et Fortress. King Street, vous suivez, qui venait de se barrer. Voilà, qui venait de se barrer. Donc on se demande comment il l'accorde. Et les 10 derniers millions, c'est grâce. Il reste encore 20 millions. Il y a 10 millions qui proviennent de la région bordelaise et 10 millions qui viennent de l'État. Donc on ne sait pas trop comment ça vient. Ouais, donc finalement, que ce soit Lopez ou moi, je veux dire, ça veut. Oui, t'aurais pu faire. Y aller, quoi. Faut savoir que dans le conflit qu'il y avait eu historiquement, qu'il soit économique, mais qu'il soit aussi entre les supporters, l'ancienne direction, Longue Épée notamment, et les supporters ultramarines, la mairie a joué un grand rôle.
et a poussé la région à mettre de l'argent, puisque la mairie écologiste a plus ou moins soutenu la vente de King Street et le départ de King Street et de Longue Épée, et a poussé notamment Lopez et qui avait et même été plus ou moins un argument de campagne à l'époque. Exactement. Exactement, et notamment au-delà du rôle social et historique du club dans la ville, ce que le maire a très bien compris, il y avait aussi la problématique du stade, qui si elle n'a pas un club résident, devient un frais énorme pour les contribuables bordelais. Et qui est toujours un problème. Ce qui est déjà le cas, ouais. Ce qui est déjà le cas. Alors du coup, avant qu'on s'éloigne trop les gars, parce que du coup Val, tu nous as un peu expliqué comment il est arrivé, mais ça à la limite, je vais dire, moi si je suis supporter bordelais... qu'il aille trouver 10 millions là, 10 millions là, 10 millions là, je m'en fous un peu, si tant qu'il ramène les 50 millions jusque là tout va bien. Bah, le problème c'est que déjà il y a quand même, on se rend pas compte, mais il y a quand même 20 millions d'euros de prêts donc qu'il va falloir rembourser à terme, et on sait que King Street et Fortress, c'est ça, c'est Fortress hein, sont souvent des fonds qui prêtent avec des intérêts très très hauts, et donc il faut les rembourser. C'est le problème d'ailleurs qu'il avait eu à Lille avec le fonds Elliott, qui d'ailleurs il n'a jamais réussi à rembourser complètement. Mais voilà, donc c'est des emprunts qui représentent quelque chose. Alors on dit 20 millions d'euros pour un club, c'est pas beaucoup, ça pourrait être juste la vente d'un, ça pourrait être couvert par la vente d'un joueur, mais c'est énorme, surtout pour un club comme Bordeaux, sachant que le club lui-même joueurs. Avait déjà contracté une dette auprès de Fortress de 38 millions, donc en fait on rajoute 20 millions de dettes à 38 millions de dettes, donc on continue d'alourdir la dette, et il est très probable que la fin effectivement du bail de Lopez soit alors ça, juste, excusez-moi, alors j'ai une petite question qui est naïve, et en plus on a fait un sujet dessus l'an dernier, mais à quel moment la DNCG ils acceptent ça, c'est-à-dire que la situation de Bordeaux est déjà en difficulté, et le mec il arrive en disant non mais moi tout va bien, je vais tout remettre à plat, mais par contre en réempruntant, c'est absurde financièrement. En fait, c'est ces 50 millions. À la base, Bordeaux a un problème, un déficit structurel. Donc, en gros, avant même la fin des transferts, etc., ils ont un déficit structurel de 30 millions. Donc, la DNCG avait conscience de ça. Et c'est pour ça qu'ils ont demandé 30 millions plus 20 millions supplémentaires pour anticiper d'éventuelles pertes. Il s'avère que ces 20 millions correspondent dans le plan de Lopez à justement ses prêts. Donc, après, ils estiment qu'il c'est remboursable. Tu switches le déficit structurel en déficit sur l'année potentiellement. Mais en fait, je pense que là où il a été très fort, c'est justement encore sur cet aspect de communication où il a dû réussir à promouvoir auprès de la DNCG un système de trading où il s'est dit on va vendre des joueurs, on va les mettre en avant. J'ai le montant sur cette première saison, il a donné à la DNCG 41 millions de ventes. Ouais. C'est ce qu'il a promis, ça ? C'est ce qu'il a promis. Mais pour 40 millions d'achats, donc c'est compensé, c'est bizarre. C'est compensé parce que de toute façon, la masse salariale et les transferts étaient encadrés, et tant que le club ne vendait pas, ils n'avaient pas le droit d'acheter. Mais effectivement, il a mis 41 millions de ventes dans les comptes à la DNCG. Il est très difficile de penser que Bordeaux, sur l'exercice en cours, va être capable de vendre 41 millions. Ils ont fait quoi, par exemple ? Ils ont vendu, par exemple, Bazic l'été dernier, qui a été vendu aux alentours de 8-9 millions à la Lazio. C'est 7, je crois même. Ils ont déjà vendu Adli. Ouais, à Milan. À Milan, 10 millions. Mais du coup, quand on voit ces joueurs, on se pose les questions. Effectivement, et on se pose la question de qui vont être les futures valeurs marchandes cet hiver ou à la rigueur l'été prochain. Ok, bon, on parlera un peu plus des changements d'effectifs tout à l'heure. Alex, vous voulez rajouter un truc sur l'arrivée de Gérardo ? Un petit point de contexte, parce qu'on parle beaucoup de la DNCG. Il faut savoir déjà que 90% des clubs de Ligue 1 sont avec un déficit de base. C'est-à-dire qu'ils ne vivent que des droits télé et de la vente des joueurs. Donc, on connaît tous l'histoire du fiasco Media Pro, mais en plus de ça, il est vital pour eux de vendre chaque année à hauteur de. Je crois que c'est 1 sur les 40 clubs professionnels qui n'est pas en déficit structurel. Donc, voilà. Pas en déficit de voilà, base. C'est ça. Quand il était à Lille, il y avait ce déficit structurel à hauteur de 20 millions par an. Il est passé à 36, je crois, environ à la fin de son mandat. Et ce que je voulais rajouter, c'est simplement que la DNCG, on dit organe de contrôle, mais bon. Paris, là, dernier bilan financier. Alors, c'est pas du tout les mêmes problèmes, hein. Mais Paris, dernier bilan financier, ils ont dit que l'été, ils devaient vendre pour, je sais plus, je crois que c'était 60 millions. Il y a que Backer qui est parti à 8 millions, pas de sanction. Marseille, ils ont eu encadrement de la masse salariale. Ils ont fait un truc où ils ont baissé leur salaire pour pouvoir signer à Minarit. Là, on voit avec ce qui se passe à Bordeaux et ce qui s'est passé à Lille. Tout ça pour dire que la DNCG, c'est certes un organe de contrôle, mais elle a pas vraiment de pouvoir à travers ça surtout que Gérard, et notre petit Gérard, il est en mission suicide à chaque fois, quoi. Il tente un truc, s'il tombe pas sur un Osimhen ou un Jonathan David chaque année, sa stratégie tombe à l'eau. C'est sa force, pour le coup. Ouais, c'est ça. S'il l'a pas cette année. Non, mais c'est sa force de réussir à s'encadrer de mecs qui lui apportent ses valeurs marchandes. Sauf que là, il a pas Luis Campos. Ouais, exactement. On en parle de Campos, on va en parler, mais juste pour parce que tu dis c'est un suicide, mais c'est pas un suicide pour lui. Non, lui prend pas trop de risques. Voilà, c'est ça. Mais il faut être clair là-dessus parce que typiquement l'histoire d'Osimhen, c'est un super exemple.
Parce que tout le monde a dit ouais, 80 millions, oui, il fait une culbute de 70 millions. Et en fait, Lille est en train de se demander si le transfert ne leur a pas coûté de l'argent. Ouais, c'est incroyable. Non, en gros, ça leur a rapporté 10 millions oui, de plus ça. Que ce qu'ils avaient payé. Donc ça a rapporté genre 35 millions d'euros à Lille. Non, mais après, moi, ce que je trouve dingue par rapport à ce que tu dis, c'est que sur ces 2 ans de mandat à Lille, au final, le mec, il a quand même réussi à augmenter le déficit structurel donc, du club de 16 millions. Quoi. C'est-à-dire qu'il arrive et il repart et il laisse le club en pire état qu'il ne l'a trouvé. Donc désolé pour vous, les amis bordelais. On essaye d'avancer un peu plus vite pour voir un peu ce que le petit Gérard nous a amené dans ses valises. Il y a eu quand même changement de coach. Je crois qu'il y a eu aussi des changements, bah, évidemment, forcément, à la direction. Qu'est-ce qui veut nous parler un peu de tout ça là? Bah, déjà, ce qui est intéressant, c'est la direction ces dernières années, au-delà du conflit longue épée supporter Thiodé qui avait dû partir. On avait eu un Laroche qui a fait un mandat de seulement un an, qui est un ancien du club et qui au final n'a pas été cette figure. Beau mandat d'Alain, en tout cas. Très bel emploi fictif. Et au final, Gérard Lopez est arrivé dans ses valises, non pas cette fois-ci avec Luis Campos, mais avec un de ses disciples, qui est Admar Lopez. Donc c'est un directeur technique qui a seulement 37 ans, qui s'est vanté d'avoir fait un super mercato, notamment avec 9 recrues cet été. Qui s'est excusé récemment. Qui s'est excusé, il a dit m'excuse auprès des supporters, les joueurs ne sont pas à la hauteur de l'histoire du club. Ou peut-être seulement de l'histoire du club des dernières années. Mais en tout cas, Admar Lopez, c'est ce genre de directeur technique un peu nouvelle génération, formé par Luis Campos, très basé sur les stats, très basé sur le recrutement de jeunes joueurs le moins cher possible, voire libre, pour ensuite faire des opérations de trading très très rapidement dessus. Donc vraiment formé à l'école Campos, il l'a connu à Monaco, il l'a connu Campos à Porto, il a connu Campos à Lille. Là, c'est un peu la première fois qu'il va vraiment voler de ses propres ailes après Boavista, qui est aussi un des clubs qui appartient à Gérard Lopez. Donc, c'est très intéressant de voir ça. Maintenant, est-ce qu'il va être capable d'avoir la même capacité et qualité que Luis Campos à ramener des joueurs aussi prometteurs et aussi bons, à la fois économiquement et sportivement? Bordeaux en a pourtant besoin. Pour l'instant, c'est un peu mal barré. Et il a ramené aussi, moi en vrai, quand j'ai regardé ça de loin, quand il a ramené Petkovic, je me suis dit, ah, c'est pas mal en vrai, pourquoi pas. L'idée est pas complètement débile. Après, je me suis dit, Petkovic n'ira jamais. Il y est allé, donc après, qu'est-ce qu'il irait faire dans cette galère, on ne sait pas. Pour l'instant, c'est pas une franche réussite. Non, c'est pas une franche réussite. Bon, pour recontextualiser rapidement l'histoire de Petkovic, il a été sélectionneur entre autres de la Lazio de Rome avant de prendre la tête de la Nati, donc la sélection suisse, pendant près de 7 ans. Plus long mandat de l'histoire. Plus long mandat de l'histoire. D'un coach suisse. Donc entre 2014 et 2021, qui s'est ponctué par ce très beau quart de finale où il a éliminé la France. Et donc quand Petkovic arrive, on se dit bah ça va être super parce qu'il a quand même, il avait quand même réussi à instaurer un certain projet de jeu avec la Nati dans une défense à 3. Il avait réussi à mobiliser plein de joueurs alors qu'au début c'était vraiment pas gagné pour lui. Il avait un profil qui était quand même assez intéressant et un des arguments de Petkovic, c'est que ouais, justement, il arrivait à construire sur le long terme. Donc on s'est dit bon bah ça peut être intéressant dans un projet comme Bordeaux avec Gérard Lopez. Pour l'instant, il s'avère que ça prend pas trop, mais moi je suis pas sûr que ce soit un mauvais choix. La seule question qui va perdurer, ça va être de savoir est-ce que ils vont lui laisser le temps de réussir à construire ce projet, est-ce qu'ils vont réussir à lui mettre des joueurs à disposition pour construire ce projet. Moi je suis pareil, pas certain que ça vienne de Petkovic. Pour moi ça vient surtout des joueurs. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les joueurs qui sont arrivés cet été? Peut-être pas tous, mais quand on regarde un petit peu, c'est inquiétant. Je rappelle aussi à tout le monde, de ceux qui n'ont pas trop fait gaffe à ça, que Bordeaux, je crois que c'est la pire défense à ce stade du championnat depuis genre 40 ans. Ils ont encaissé plus de 35 buts, je crois. Enfin, c'est une catastrophe absolue. Pire début de saison. C'est la pire défense de Ligue 1 tout court déjà cette saison. Oui, ça c'est sûr, mais je crois que historiquement, ça fait une éternité qu'on n'a pas eu une défense aussi fébrile. Et ce qui est terrible pour Bordeaux, c'est qu'effectivement, ils ont cette place de relégable, ils ont seulement ces 2 victoires. Ils ont donc 39 buts encaissés. 17ème. Ouais. Ils ont donc ces 39 buts encaissés, pire défense de Ligue 1, et ils ont la 6ème attaque. C'est-à-dire qu'en termes d'attaque, je crois qu'ils ont mis 26 buts, c'est devant Lyon, c'est devant Marseille, c'est devant Lille, c'est devant Nice. Enfin, la qualité de Bordeaux est complètement différente en fonction des zones du terrain, et en ça, le recrutement n'a pas été complètement réussi cet été. C'est ce que j'allais dire, parce que devant, on a quand même des mecs. Enfin, c'est alors ok, il y a des recrues qui sont pas si mauvaises que ça. On l'a vu avec Ellis, avec par exemple Dilrosson aussi qui est pas si mauvais que ça, je trouve. Même Onana a monté des choses pour un jeune joueur pas trop mal. Mais derrière, c'est honnêtement c'est cata. Parce que je crois que c'est Adli qui a dit ça récemment et je suis d'accord avec lui. C'est pas forcément que les uns font pas forcément les efforts pour les autres, etc. C'est qu'il y a genre 3 boulettes par match, quoi. Il y a énormément d'erreurs individuelles, énormément de l'incule individuel, et on sent aussi sur les matchs que à force de perdre, cette équipe a peur. Cette équipe recule sur le terrain. L'année dernière, on avait Basic au milieu de terrain qui est on ne comprenait pas ce qu'il faisait, et d'ailleurs on le voit à la Lazio, on ne comprenait pas ce qu'il faisait à Bordeaux. Sabali est parti. Sabali c'était pas mal, c'était un élément fort. Mais il y a eu plein de départs, Sabali, Ben Arfa, Pungé, Debré, on a
Otavio qui s'est fait les croisés, qui est plus que l'ombre de lui-même. Ah, sur le terrain, bah là il joue plus sur les derniers matchs parce que c'était terrible, c'était catastrophique. Il me fait de la peine. Pour revenir sur le recrutement, il y a quand même quelques petits motifs de satisfaction. Il y a le deal Rosane dont tu parlais, il y a Timothée Pembélé qui arrive en prêt du PSG, Elis, il y a le retour de prêt de Josh Maja qui est pas un joueur inintéressant, mais qui joue pas non plus, qui a été plus ou moins écarté par Petkovic, comme Mbaye Niang, voilà. Donc il y a eu quelques recrues intéressantes, il y a eu quelques erreurs de parcours. On va voir, mais là le petit latéral à gauche, en fait tout le côté gauche là, Mangas, Ricardo Mangas, mais même le remplaçant Mensa qui vient de Salzbourg, qui est prêté par Salzbourg. Ce gars, à un moment, ça montre aussi la façon dont le business du foot est fait, mais il en est à son cinquième club en 5 ans. Ouais. C'est-à-dire qu'il appartient à Salzbourg, il a encore jamais joué pour le Salzbourg, et il en est à son cinquième club, son troisième prêt consécutif. Qu'est-ce que vous voulez que ce gars-là apporte quelque chose à un club complètement malade comme Bordeaux? Pour revenir sur l'effectif, sur la construction de cet effectif, là on parlait des jeunes, des départs qu'il y a eu, des arrivées qui, à part 2-3 satisfactions, sont pas top. Il y a des cadres dans cette équipe qui auraient pu être les cadres un peu façon LOSC, Burak Yılmaz, José Fonte, qui auraient pu être les cadres de cet effectif aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui soit ils sont assez peu impliqués. Alors Kostil est revenu pour le coup, lui a un très bon niveau, mais Koscielny est très souvent blessé, beaucoup de supporters parlent de son mauvaise implication avec un salaire à 240 000 par mois, donc ça va commencer à sérieusement poser problème. Paul Baïs, qui était plus ou moins revenu après des années de désert, s'est fait les croisés, donc pour lui c'est terrible. Et on a Jimmy Briand qui commence à revenir, notamment depuis son doublé incroyable à Reims, mais qui a été très critiqué, qui a été mis au placard par Petkovic. On a aussi quelques autres joueurs mis au placard. Alors après, je crois que dans les recrues, on a le défenseur central qui est parce qu'il faut dire quand même qu'aussi que dans ces recrues, ce qu'on dit des recrues, etc., il faut bien faire comprendre que dans ces recrues, c'est quasiment que des prêts. Il y a un ou deux achats. Ouais. Il y a 4 prêts, 2 retours de prêts de club et 3 achats. Voilà. Dont Mbaye Niang. Et dont un des achats, je crois que c'est le défenseur Grigersen, qui je crois pas être tant que ça une catastrophe. J'ai cru voir que les supporters bordelais se disaient que c'était pas le pire. Ouais. Faudrait le voir à côté de quelqu'un d'autre. Que Mekcher. Mais moi, je suis. Ouais, donc je voulais dire, parce que tu disais qu'il y avait potentiellement des cadres dans cette équipe, mais je suis pas du tout d'accord avec toi, Flo, sur le fait que. Non, mais des joueurs qui sont censés être des cadres en tout cas. C'est confirmé, qui ont l'expérience en Ligue 1. Oui, mais Arsenal, qui était dans un club depuis des années comme Kostil. Qui est complètement cramé. Kostil, le mec, tu sais plus en quoi il croit. Briand, je vous rappelle qu'il y a eu tout un truc où il a été mis au placard parce que s'il disputait un certain nombre de matchs dans l'année, il devait lui payer une prime, ils n'avaient pas les moyens de payer. Comment tu veux que les joueurs ils s'investissent dans le projet? C'est exactement ce que je disais, c'est qu'il y a une faillite des cadres qui aurait dû être des cadres qui ne le sont pas. Il y a eu la belle histoire aussi, entre parenthèses, dans le grand projet Gérard Lopez. On a eu la fameuse histoire là, du dîner de Noël des féminines, où le club a demandé aux féminines de se cotiser pour payer leur dîner de Noël parce qu'ils n'avaient pas de quoi le payer. Romain Molina, c'est bien de le citer parce que c'est lui qui l'a sorti. Oui, c'est lui qui a sorti souvent, ça, exactement. Et juste, peut-être qu'on peut faire tempérer un petit peu cette construction d'effectifs qui est un petit peu catastrophique pour l'instant. Peut-être que c'est aussi une année de transition parce qu'aujourd'hui, Bordeaux a un effectif de 30 joueurs. Sur les 30 joueurs, il y en a 13 qui sont en fin de contrat, dont des joueurs confirmés dont on parlait, Briand, Kostil, Pembélé, Elis, qui vont repartir aussi, tu vois. Donc c'est peut-être une année de transition pour ensuite l'année prochaine aller chercher d'autres personnes. Combien en fin de contrat? 13 sur 30. Et je pense que c'est aussi peut-être pour ça que Gérard Lopez a fait appel à Petkovic, à Vladimir Petkovic, parce que c'est un mec qui peut-être sur une année peut construire quelque chose suffisant en tout cas pour réussir à se maintenir et à remplir les objectifs de fin de saison, quitte à gâcher cette saison et à repartir l'année d'après avec des nouveaux transferts, des nouveaux joueurs qu'il aura réussi à insuffler avec sa politique de trading. Je suis assez d'accord avec cette vision. Le seul problème, c'est qu'il faut absolument pas que le club descende en Ligue 2, que ça soit économiquement ou sportivement, parce que là le projet en prendra un coup. Après, justement, le cursus de Petkovic là, dans un contexte comme ça, peut-être aider. Il faut savoir que Petkovic, c'est un coach donc qui est passé par la Lazio, qui a eu une Nanati, qui avant avait entraîné des clubs suisses, mais c'est un coach qui est ultra porté sur la psychologie, mais comme rarement les coachs le sont. C'est-à-dire que c'est un mec qui, pendant qu'il était joueur et entraîneur, avait fait une formation de psychologue et d'assistant social. Donc c'est un mec qui est énormément dans le discours avec ses joueurs, aussi avec son staff. Il faut savoir par exemple que quand un nouveau membre du staff arrive ou quand un nouveau joueur arrive dans l'effectif, il passe un test psychologique et émotionnel en amont, qui sera vu ensuite évidemment par Petkovic, pour que juste Petkovic non pas ne juge, mais en fait sache comment s'adapter à la personne pour qu'il puisse le comprendre émotionnellement et psychologiquement. Donc peut-être que dans un cadre comme ça, un coach qui soit autant dans la compréhension, c'est à double tranchant à mes yeux. Soit il va réussir à comprendre ce groupe et à les remotiver. C'est pour ça que c'est un vrai meneur d'homme. C'est pas con en vrai, vu la galère actuelle. Gérard, il s'est offert un coach et un psy en même temps. Exactement. Pour les joueurs. Maintenant, on sait aussi que parfois certains groupes, et notamment des groupes jeunes, ont besoin d'un coach un peu gueulard. Bien sûr. Qui sache remotiver sur quelques jours. Il faut bien les accompagner psychologiquement quand tu n'auras plus les salaires. Vous parliez de Ligue 2, etc. Donc c'est ça qui est intéressant. Là, il y a 13 joueurs qui vont se barrer sur 30. Imaginons qu'on garde Petkovic, que Bordeaux descende pas. Il va se passer quoi là dans les perspectives à venir de la fin de saison
sur économiquement dans le jeu, ils vont se représenter devant la DNCG, ils auront certainement pas fait les ventes qu'il faut faire. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'en plus, excuse-moi, vous parlez depuis tout à l'heure de Gérard Lopez, ça met un coup dans l'aile au projet machin, il est déjà resté plus de 2-3 ans quelque part lui. Non. Donc a priori, lui, son objectif c'est de revendre dans 3-4 ans, donc va falloir y aller là. Alors, pour à très court terme, là il y a eu un rendez-vous avec la DNCG, un rendez-vous de mi-saison avec la DNCG fin novembre, qu'ils ont passé plutôt facilement, puisque la DNCG leur a même dit qu'ils étaient même pas obligés de vendre cet hiver pour pouvoir compenser leur perte. C'est sympa, ça, c'est sympa. Donc, ouais, vraiment, c'est vraiment des beaux gens, des belles personnes. Après, sportivement, moi j'ai du mal à me projeter. Aujourd'hui, c'est un peu catastrophique, mais c'est aussi pour moi compte tenu du niveau des joueurs qui est assez faible. Il faudra réussir à se maintenir en Ligue 1. Et après, moi j'ai des doutes aussi d'un point de vue économique, parce que on l'a dit, il y a 13 millions, il y a 13 joueurs sur 30 qui sont en fin de saison. Et après, on peut regarder les 5 plus grosses valeurs marchandes. Moi j'ai été sur Transfermarkt, les 5 plus grosses valeurs marchandes. Dil Rosan, prêté. Adli, déjà vendu. Otavio, fin de contrat. Oudin, c'est le seul joueur qui a encore une valeur marchande normale. Et Kalou, qui a deux titularisations. Il n'y a même pas Wang. Et Wang qui est juste après ça. Voilà, donc il y a Wang éventuellement. Après, est-ce que la grosse chance de Bordeaux cette année, c'est peut-être d'être dans le championnat d'un Saint-Etienne et d'un Metz qui ont l'air d'être encore plus faibles cette année? Même contre Metz, ils ont eu un match galère où au final ils font un 3-3. Contre Saint-Etienne, ils gagnent un petit peu sur un miracle. Il va falloir qu'ils fassent très très attention. Je pense qu'effectivement, que peut-être la vente d'un Kalou cet hiver qui joue quasiment pas. Pour recruter peut-être derrière, faire 2-3 ajustements, peut-être au moins des joueurs libres, mais qui pourraient apporter un petit peu d'expérience. Après, ça serait pas idiot. Best à l'heure, je crois qu'il est sur le retour. Ouais. Il y a un facteur aussi dont on n'a pas parlé. Gérard Lopez avait été accueilli un peu comme un héros, on a expliqué les raisons. Les ultras sont pour le moment extrêmement patients. Ils ont commencé à faire quelques banderoles à l'encontre des joueurs. Ils sont très patients, que ce soit sur la gestion sportive et économique, notamment parce que Lopez leur a donné un peu de quoi faire de l'échange à leurs yeux. Maintenant, les ultramarines, contrairement à la ville de Bordeaux et à ce club, sont des ultras qui sont assez actifs. On l'avait vu justement, qui s'étaient largement mobilisés dans un élan populaire. Moi, j'étais étonné que Lopez ait tout ce temps-là et machin, en connaissant son passif. Je le trouve très cool avec lui. C'est justement peut-être un point, si le club continue à s'enliser sportivement qu'économiquement, on voit toujours pas le bout du tunnel, pardon. Je suis pas sûr que les ultras reste calme très très longtemps et reste patient. Bah, là ils se sont un peu énervés contre les actionnaires de Bordeaux, là où il y a eu l'histoire des actionnaires de Bordeaux qui devaient récolter je crois plus d'un million ou 3 millions à faire rentrer au capital et qu'ils ont pas eu plus de 200 000. Ouais, le club scapulaire qui vient de... Scapulaire. Ils voulaient 5 millions, ils ont eu 2 millions 5 je crois. Parce que aujourd'hui même... là récemment il y a re-eu une action des entrepreneurs de Bordeaux. Ouais. Ah oui, c'est ça. Le club scapulaire vient de re-entrer aujourd'hui et finalement apparemment on serait même plus aux 2 millions 5, on serait probablement autour de 800 000 euros. Oui, c'est ça moi que j'ai entendu. Moi justement c'est ça. En gros, ils avaient promis 2,5 millions machin et qu'on va se retrouver avec moins d'un million. Et c'est pour ça que ça commence à gueuler. Et je pense que c'est pour ça que Lopez bénéficie d'une cote. C'est que vu qu'il est fort en com, il doit dire bah regardez, moi j'essaye, mais les entrepreneurs de la région ils en ont rien à faire. C'est bien joué de sa part. Après, il y a un autre point aussi, c'est que le Admar Lopez, là, qu'on présente un peu comme le Longoria de Bordeaux, il a une pression de dingue en fait. Ouais. Parce que là, il va avoir une marge de manœuvre qui est très 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 fine. À Marseille, tu vois, dans le recrutement, il y a des joueurs, ça a pas trop pris. Tu regardes Amin Harit, c'est pas ouf. Et pourtant, il y a eu des sacrifices financiers qui ont été faits par d'autres joueurs pour qu'ils viennent. Mais là, c'est encore pire parce que c'est la survie du club qui en dépend. Parce que tu peux pas miser sur la bonne gestion de Gérard Lopez en disant lui, il va me ramener de l'oseille. Ouais, le seul truc qu'il peut faire, c'est augmenter les prêts et augmenter les dettes de Bordeaux auprès des fonds d'investissement. Alors, mais historiquement, Bordeaux, c'est aussi son centre de formation. Il y a rien qui vient de ce côté-là. J'ai l'impression que les ultra Bordelais, moi quand je lis des commentaires etc, ils ont l'air dire que le centre est pas plus à la hauteur. Mais le centre il a été massacré époque King Street et GACP. T'as des je crois que c'est une quinzaine de joueurs qu'ils ont fait passer pro et en fait tu te rends compte que derrière c'est juste une sombre histoire d'agents qui voulaient prendre des commissions en faisant passer les joueurs professionnels. Parce que ces dernières années on a encore eu des Jules Koundé, des Tchouaméni, des Youssouf. Il y en a pas un ou deux autres qui arrivent. Gassé a un peu poussé quand il était l'année dernière quand il y avait encore King Street je crois pour faire sortir de trois jeunes, je pense notamment à Mehdi Zirkane qui était un bon joueur qui avait fait quelques petites sorties intéressantes, mais là c'est vrai qu'en fait ils ont pris un tel déficit pendant les dernières années que c'est compliqué. Mais Gérard Lopez a dit qu'il voulait relancer parce qu'ils sont aussi financièrement que la sortie sera peut-être là. Effectivement, il y avait Zirkane, en termes de communication, c'est pas mal aussi. Il y avait Zirkane qui semble pour le moment écarté par Petkovic, alors on sait pas trop si c'est personnel ou sportif, mais c'est assez bizarre quand on voit les performances des joueurs bordelais à ce poste là. Il y a le petit Tom Lacou aussi qui était titulaire là contre Lyon et qui était pas inintéressant. Je crois que c'est un joueur qui a 19-20 ans qui est formé au club, donc il y a peut-être encore une ou
deux espoirs. Ouais, la solution peut venir un peu de là quand même. Même en termes de valeur marchande, même économiquement, oui, ça peut venir de là. Relancer un centre, ça a un coût. Hein. Ouais, c'est un coût. Les résultats, ça, c'est 4, 5, 6 ans plus tard. Je suis pas du tout persuadé que surtout que c'est un truc qu'il a pas fait à Lille, je crois pas qu'il l'ait fait dans ses autres clubs. Sans complètement tout relancer, tu peux sortir 3-4 joueurs. Mais c'est comme ça qu'il l'a vendu en tout cas dans le projet, en disant qu'il voulait relancer le truc pour pouvoir d'ici 4-5 ans relancer la formation bordelaise. Après c'est aussi quelque chose un peu normal quand t'as une politique de trading comme Gérard Lopez, hein. La formation c'est un truc intéressant sur lequel tu peux faire des plus-values. Mais bon, moi je vois plus là-dedans une sorte de pirouette vis-à-vis des supporters, parce qu'il est très peu probable qu'il soit là dans 4-5 ans. Il se dit déjà qu'il est prêt à vendre le club dès maintenant. Ok, donc là on a vu un peu les perspectives au moins pour la fin de saison, ce qu'on peut attendre un peu pour les Bordelais. Je suis désolé, ça n'a pas l'air très reluisant, mais surtout que là on est quand même passé, ça passe, ce club il passe entre toutes les mains d'année en année. Comme je le disais tout à l'heure, Gérard Lopez, j'ai pas l'impression qu'il garde un projet plus de 2-3 ans. Qu'est-ce qui va se passer avec lui et Bordeaux exactement? C'est quoi lui son projet? Est-ce qu'il veut rester ou est-ce qu'il veut revendre le club très vite? Écoute, c'est difficile de se projeter sur l'avenir. Le seul truc qui peut nous permettre de faire des conclusions un peu hâtives, c'est le passé de Gérard Lopez. Et quand on regarde le passé de Gérard Lopez, il n'y a pas grand chose de très positif, hein. On peut faire rapidement un état des lieux de toutes les entreprises qu'il a gérées. En fait, on dirait moi et mes études. Genre, il commence des trucs, il arrête. Hein. Oui, mais à la fin, il gagne de l'argent, alors que toi, non. Moi, j'en perds. Et un titre. Non, mais il y a eu plein d'épopées Gérard Lopez qui se sont finies un peu de manière catastrophique. On peut parler de cette épopée en Formule 1 avec Lotus qui s'est finie. Il a revendu l'écurie pour 1 euro symbolique. Il ne payait plus les salaires à la fin. Oui, même Romain Grosjean qui était pilote n'était pas complètement payé à la fin. Voilà, donc ça c'est top. Il y a eu évidemment cette expérience à Lille où il est arrivé, pareil, exactement dans la même manière qu'à Bordeaux en héros, etc. Il a laissé le club. Alors certes avec des résultats sportifs intéressants. C'est mais... ça. Est-ce que les Lillois lui en veulent à Gérard Lopez aujourd'hui? Peut-être dans 5 ans quand ils seront là en train de pleurer sur les... Il a quand même laissé le club avec 120 millions d'euros de dette, donc je pense que Olivier Létang devait être content. Lui se défend sur cette dette, ce qui est évidemment assez ridicule, mais il se défend, ce qui pour le coup n'est pas faux, même si c'est assez ridicule au vu de la dette conjoncturelle du club et comme on le disait des transferts où au final le loss touche près très peu, mais c'est la valeur marchande qu'il a laissée à l'effectif. Lui se targue d'avoir laissé à l'effectif, quand il est parti à son départ, une valeur moyenne de 300-350 millions, donc qui, si tout le monde était vendu, permettrait en fait d'éponger la dette. Sauf qu'on voit très bien que le déficit est structurel et qu'en réalité... Et la valeur elle est en dessous, hein, la valeur de... Surtout dans ces ventes de joueurs, il y a des commissions qui partaient à des agents à des sommes astronomiques, on l'évoquait tout à l'heure avec Osimhen. On aborde maintenant le dossier Gérard Leloubar ou... Ben non, mais c'est ça, en fait, c'est là où je voulais en venir quand je parlais un petit peu des dernières expériences de Lopez, c'est qu'en fait c'est toujours le même concept à chaque fois, c'est qu'il arrive en héros, grand communicant. Il propose un projet financier qui ne tient en fait que sur les prêts qu'il contracte auprès de fonds qu'on peut appeler des fonds vautours avec des taux d'intérêt très élevés. On parle de taux d'intérêt à plus de 10%. Voilà, ce qui est énorme. Et il les vend. Après, il met en place des politiques de trading. Alors, à chaque fois, il assure s'entourer de personnes plutôt compétentes, notamment Luis Campos à Moucron et à Lille. Donc, ça a marché. Il a réussi à vendre des joueurs. Mais là où lui il bénéficie de tout ça, parce qu'il fait pas ça pour le kiff, hein, évidemment, c'est sur les transferts. On en a pas parlé encore. Romain Molina. Donc lui fait son beurre sur les transferts. Beurre sur les transferts. Toutes les commissions d'agents qu'il prend, il y a énormément de trucs. Quand tu regardes les bilans comptables à Lille, dans les bilans comptables, il y a une catégorie autre charge. La catégorie autre charge, elle a doublé toutes les années où il était à Lille. Il est arrivé, la partie autre charge. C'est un voyou, ce gars. On peut être triste en France. C'est un énorme voyou. Les portes encore partout. C'est un énorme partout, voyou, quoi. C'est un très bon communicant. Donc à chaque fois, il s'en sort. Mais en fait, c'est ça qui est. C'est Bernard Madoff du foot. Mais non, mais c'est ça qui est triste parce que, en fait, paradoxalement, il est, tu vois, dans un sens, il est excellent dans ce qu'il fait et surtout, il a des idées sur le foot qui sont bonnes. Parce que même si la fin justifie pas les moyens, évidemment, mais. À Lille, on a vu du jeu, on a eu un super coach, il y a eu une belle aventure à vendre aux supporters. Donc effectivement, les mecs, tu vois, quand tu leur demandes, je lisais encore une interview des dirigeants des supporters lillois qui disaient « Mais moi, en fait, j'ai même pas envie de rentrer dans la partie économique parce que c'est pas mon sujet. » Mais tu sens que les mecs, en fait, ils se cachent les yeux parce qu'ils ont tellement vibré, ils ont tellement kiffé ce qu'ils ont eu et ça faisait tellement longtemps qu'ils attendaient ça que, bah, en fait, ils prennent, ils consomment et puis après, bah. Mais Gérard, ils ont un peu l'impression d'être en cavale, quoi. Le mec, il veut du fric vite parce qu'il doit avoir des dettes de tous les côtés, etc. Donc il prend du cash, il se barre. Et... Parce que même sa société de recrutement, la fameuse Scoutly, là, parce qu'on parlait de Campos pour Lille, mais Campos n'était pas du tout salarié du LOS, qui était salarié de Scoutly, qui est la sorte d'agence de recrutement qu'a créé Marc Ingla et Gérard Lopez. Admar Lopez en est évidemment un salarié.
Et effectivement, même Scott Lee aujourd'hui ne paye plus l'intégralité de ses salariés, donc il est vraiment sur toutes les lignes, il magouille, mais il s'en sort déjà parce qu'il arrive à rebondir, que c'est effectivement complètement fou que le foot français continue à lui tendre la main, mais je pense qu'il continue de manger sur la façon dont il a géré sportivement le LOSC. Il faut savoir aussi, en parlant des autres clubs de Gérard Lopez, que typiquement à Moucron, il y a eu ils ont voulu faire une grève au départ, finalement ils ont opté pour une solution plus pacifique, mais il n'a pas payé les joueurs pendant un moment. Il a d'abord accusé sa secrétaire de ne pas avoir transféré l'argent et qu'elle, en gros, elle n'a pas eu le mémo. Et que c'est vraiment des techniques de marlou. Finalement, il a sorti une autre excuse pour terminer par refus de la banque. À Boavista, il a vendu du rêve aux supporters, comme l'avait dit Flo. Et ils ont Boavista, pris un bon coach. Ta gueule en ce moment, Boavista aussi. Financièrement, c'est une catastrophe. Okay, c'est vraiment un bel humaniste, ce Gérard. Plus trop d'anecdotes à donner sur lui. On a fait le tour du personnage. En tout cas, j'espère ne pas trop inquiéter nos amis bordelais, mais franchement, bon, moi, je suis pas très optimiste pour la suite aussi, bordelais. Ça me fait à chaque un peu fois. De la peine. Alors, je suis pas très optimiste pour à très long terme. À moyen terme, je pense qu'il s'en sortira parce qu'il a un carnet d'adresses qui est assez impressionnant et il arrive à convaincre des gens. Comme on le dit depuis tout à l'heure, c'est un très bon communicant. Donc, dès qu'il aura besoin d'un petit peu d'argent, il arrivera à aller en chercher à gauche et à droite. Il trouvera toujours des partenaires. Mais la situation dans laquelle il a laissé les clubs qu'il a gérés à chaque fois est souvent catastrophique. Et je suis pas sûr que le problème qu'avait Bordeaux en juin 2021 soit pas le même que ce qu'ils auront en juin 2022, 2023, 2024 quand il partira. Ouais, surtout que sa stratégie, je la trouve moi perso un peu risquée. Donc tu dis sa technique, ouais, elle marche jusqu'à ce que, et on ne souhaite pas au Bordelais que ce soit que là il est dans une autre galère que Lille, hein, parce que il est arrivé 3-4. À Bordeaux, c'est des salaires de ouf, c'est des contrats tout pourris, enfin c'est pas Luis Campos. Il a pas le même budget, le même montant pour investir sur le marché des transferts et donc par les prêts pour faire. Et le Haillan est pas dans le même état que Luchin. Donc c'est compliqué tout ça. Bon, on a fait à peu près le tour, on va éviter de se répéter, mais bon, vous avez compris, on est pas bien optimiste pour les saisons à venir. On souhaite beaucoup de courage aux Bordelais. Ouais. J'en profite d'ailleurs moi aussi pour souhaiter la même chose aux supporters de Saint-Étienne, parce que putain, encore un autre grand club qui est en train de couler sous nos yeux. Avec même moi, en tant que supporter lyonnais, je souhaiterais qu'il reste. Non, mais peut-être qu'on fera un sujet sur Saint-Étienne, parce que ça c'est. Non, quand même c'est... pas, ça va, abuse pas. c'est quand même assez marrant ce qui se passe au niveau de la direction aussi là-bas. C'est triste, oui, voilà. C'est triste de voir qu'on a une belle Ligue 1 et tout cette année, etc., et que ça continue à être autant le cirque dans les directions, etc. Parce que du coup, ça veut dire que ça va pas durer sur le long terme, parce que forcément, ça va se planter à droite à gauche. Pascal Dupraz va les sauver. C'est dommage. C'est jamais très marrant de voir des clubs comme ça chuter, en tout cas. On passe à vos chroniques, les gars. On ferme ce sujet-là. On va commencer par Flo. Chronique extrêmement surprenante. Tu vas nous reparler du retour de ton idole dans ton petit jardin. Et oui, ce samedi, Liverpool-Aston Villa, Anfield, 11 décembre à 16h. Et aujourd'hui, dans cette carte blanche, j'ai décidé de ne rien vous apprendre, mais de juste vous parler de sentiments et d'émotions. Alors vous, millions, centaines de milliers d'auditeurs qui nous écoutez chaque semaine, savez mon cœur divisé entre le rouge et le bleu et le red, entre Seine et Mersey, entre Fleur de Lys et Liverbird. Alors bien évidemment, Paris restera ma ville, le parc ma maison, ce stade qui m'a défloré au football et mon grand et déraisonnable amour. Mais s'il est bien un domaine dans lequel ma maîtresse Causer sait se magnifier, c'est lorsqu'elle doit mêler histoire et hommage dans un moment d'émotion et de communion incomparable. Petite question, vous souvenez-vous des adieux de Casillas ou de Raoul au Bernabeu? De ceux de Maldini au Milan ou de Wenger à Arsenal? Non. Et en ça, Liverpool restera et restera à jamais un club particulier, devant toujours osciller justement entre tradition et modernisme. Le retour contrasté sur le banc en 2010 d'une King Kenny Dalglish après un premier passage magnifique en fut le parfait exemple. Lui, l'attaquant génial aux 13 années, 172 buts, 3 coupes des clubs champions, 6 championnats d'Angleterre sous le maillot Reds, icône d'une époque révolue durant laquelle il joua la deuxième partie de sa carrière en tant qu'entraîneur-joueur, enchaînant toujours autant les titres et en remplissant la vitrine du club, avant de se concentrer uniquement en banc de touche dans la droite lignée des légendaires bâtisseurs Bill Shankly puis Bob Paisley. Alors comment montrer la porte à une telle icône populaire que King Kenny, élu par les supporters de Liverpool comme le joueur le plus apprécié de l'histoire par le COP, venu au chevet d'un Liverpool moribond en 2011-2012. Une situation qui s'enlisa, ne permettant jamais au club de retrouver les sommets alors, preuve d'un héritage parfois trop lourd à supporter. Alors ce samedi 11 décembre, aux alentours de 15h50, il vous faudra absolument ne pas manquer ce Liverpool-Aston Villa, qui verra l'enfant chéri de la ville, Steven Gerrard, revenir dans son jardin. Celui-là même qui, depuis son départ en pré-retraite du Connaught Venice Beach en mai 2015, a trouvé quelques mois plus tard, en novembre de la même année, sa nouvelle idole. Évidemment, le tribun allemand volubile et victorieux, épris des valeurs ouvrières d'une ville et d'un club qui ne pouvaient pas mieux lui correspondre, relevant Liverpool de ses récentes glissades, bâtissant une machine comme pour venger Gerrard. Si
Sous la même tunique, Stevie J et Jürgen Klopp se sont ratés de si peu, comme si Anfield ne pouvait pas s'éprendre pour deux idoles en même temps. Nul doute que le retour de l'homme d'un seul club, malgré le blazer adverse qu'il portera samedi, marquera enfin le trait d'union entre ces deux hommes, une passation probable et logique à plus ou moins long terme entre ces deux géants, sous l'approbation bien évidemment émue de toute une ville, de tout un club, de tout un stade. Celui qui, par amour de ses gloires et de sa tradition, peut être capable de se remettre en danger, comme quoi l'amour peut réellement rendre aveugle, mais Dieu, pardon, Steven, que c'est bon. Très belle chronique, Flo, bravo. J'en ai des frissons. Et c'est toujours pas la fièvre. Merci beaucoup. Il va la faire 5 fois dans la contre-émission. Parce que j'ai des frissons à chaque fois. On va tous checker ça. On va regarder de façon attentivement. Bien de toute façon, il va certainement y avoir un super hommage et ça va être top à regarder. Pour les amoureux du football, les romantiques du foot, pour le coup, dans ce monde pourri, c'est un événement à ne pas rater. Toujours en direction de la perfide Albion. C'est bien, il y a 15 jours, vous m'avez tous fait une chronique sur la Liga. Cette année, c'est tous une. Cette semaine, c'est tous une chronique sur l'Angleterre. Val, tu vas nous parler de Everton-Leicester qui arrive le 19 décembre. Ah ouais, mais là, putain, la transition va être dure. Hein, Flo. Après les envolées lyriques de Flo, moi je vais vous parler d'un sujet qui est quand même beaucoup moins intéressant et beaucoup moins vertueux, comme on peut dire. En effet, le 19 décembre prochain, match entre Everton et Leicester, notamment parce qu'avant les fêtes, le club d'Everton a trouvé un beau moyen de renflouer les caisses. Puisque le 1er décembre dernier, ce mythique club donc de la ville ouvrière de Liverpool a signé un partenariat avec la très vertueuse société de paris sportifs asiatiques. i8.bet. Alors c'est une info qui est un peu passée sous le nez de tout le monde, même en Angleterre, mais on va voir que c'est un partenariat qui, comme le dirait un célèbre journaliste indépendant, pue le micmac, et pas qu'un peu, je peux vous le dire. La première chose à comprendre dans cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, dans une multitude de pays asiatiques, notamment la Chine, la Thaïlande, l'Indonésie, c'est interdit de parier, et donc par conséquent de faire de la publicité pour les sites de paris. Mais certains bookmakers asiatiques ont trouvé un moyen de contourner cette règle. On sait notamment aujourd'hui que la Première Ligue est le plus grand championnat du monde, au moins d'un point de vue économique, et qu'une des principales raisons à cela, c'est l'importance de son marché asiatique. Vous voyez venir le lien. C'est donc évidemment pour ça que certains bookmakers asiatiques essayent de nouer des partenariats avec les clubs de Première Ligue, notamment pour obtenir une visibilité de malade mental, à travers les sponsors maillots ou à travers les panneaux publicitaires sur les terrains. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est possible de réguler ce genre de partenariat? Est-ce que la Première Ligue a joué son rôle là-dedans? La réponse est évidemment non, puisque c'est pas à la Première Ligue de gérer les modèles économiques des clubs. En revanche, il y a un acteur qui peut réguler ça, c'est la UK Gambling Commission, qui est en charge de distribuer et de réguler les licences pour les sites de paris. Donc là, on peut se dire, bon bah voilà, ils ont réussi à avoir leur licence, ils ont créé un partenariat, c'est peut-être pas très sain vis-à-vis du public asiatique, mais si la commission a accepté, c'est que ça doit aller. Évidemment, absolument pas. Ça va beaucoup plus loin que ça. La première chose qui est intéressante, c'est si on va sur le site internet anglais de i8.bet en Angleterre, et ben déjà ce site n'est pas fonctionnel parce que évidemment leur seul intérêt c'est le marché asiatique, donc aucun intérêt à créer un site en Angleterre. Donc si on va quand même sur le site asiatique, alors outre les clichés à caractère quasi pornographique qu'on peut retrouver avec des jeunes filles quasiment dénudées sur le site de Paris, et évidemment toutes les incitations au Paris, on ne trouve aucune information sur les propriétaires et sur le siège social par exemple. Donc en fait toutes les mentions légales, on peut pas les retrouver sur le site internet, donc ça c'est encore plus étonnant. Peut-être une société de Gérard Lopez. Peut-être, évidemment. C'est peut-être une option en effet. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que quand on essaie de parier, d'ailleurs je vous dis on depuis tout à l'heure, mais c'est... Je tiens à préciser que c'est des infos qui sont issues d'un super article de Philippe Auclair, qu'on peut retrouver sur le blog josimarfootball.com, qu'on vous mettra évidemment sur Twitter. Donc quand on essaie de parier, on est redirigé vers d'autres plateformes de jeux d'argent en ligne, donc pas uniquement foot. Donc en gros, en fait, je pense que i8.bet, enfin il s'avérait que i8.bet est juste une société écran de plusieurs autres compagnies pour promouvoir des paris sportifs en Asie. Donc ça, c'est sympa. Alors, outre le fait que toutes ces compagnies vers lesquelles on est redirigé ont toutes été jugées complices de blanchiment d'argent, de trafic de main-d'œuvre et d'autres activités criminelles, on peut se demander comment la UK Gambling Commission a laissé passer ça. Ben, en fait, c'est simple, puisque i8.bet est passé par une société spécialisée dans la fourniture de licences en marque blanche, qui s'appelle TGP Europe, qui appartient elle-même à un groupe qui s'appelle SenCity, qui est détenu par Alvin Cho, qui lui-même a été arrêté en Chine dernièrement pour avoir créé des plateformes de jeux à l'étranger et mené des activités de paris virtuels illégaux. Donc on sent le cercle vicieux qui ne s'arrêtera jamais. Évidemment, dans cette affaire que personne n'a entendu parler, bah, ça pose énormément de questions. Déjà, qui est Darren Wang, dont je vous ai pas encore parlé, qui est le fameux CEO de i8.bet. Darren Wang. Darren Wang, voilà. Ah, Darren et donc Wang, qui a quand même signé le communiqué du club, annonçant le partenariat.
on se demande même aujourd'hui si ce mec-là existe vraiment. Et surtout, est-ce que le club était au courant du partenariat? Est-ce qu'ils ont enquêté sur leur futur partenaire avant de signer le deal? Bon, visiblement, vu les détails que je vous donne, on peut un petit peu en douter quand même. Surtout que le club n'est pas à son premier coup d'essai, puisque au-delà des deux autres partenariats avec des sites de paris sportifs, notamment d'Europe de l'Est et de Colombie, qu'a déjà le club, et ben, il était déjà devenu partenaire d'une entreprise qui s'appelait Sport Pesa en 2017, qui est un bookmaker kényan détenu par un bulgare qui avait été lui-même accusé de racket, détournement de fonds et fraude fiscale. Camoulox. Voilà, bref, le beautiful game comme on l'aime, les amis. Bon, bah c'est bien, Flo nous avait, nous avait redonné. Deuxième fois en football, et jamais ça nous ramène dans le bon vieux football business, bête et méchant. Petit aparté, ça confirme juste les valeurs d'un seul club à Liverpool et pas de l'autre. Voilà. Ça, moi, ça me rassure un peu. Si les propriétaires américains qui voulaient la Super League. Ouais. Ça me rassure un peu sur le fait quand même de me dire qu'il n'y a pas qu'en France qu'on fait n'importe quoi, parce que j'ai l'impression que personne n'a vérifié ce partenariat outre-Manche. Non. Pour finir, Alex, toi, de quel côté tu vas te situer? Est-ce que tu seras du côté du mal ou du bien au niveau du foot business? Tu vas nous parler du Chelsea Leeds, mais surtout pour nous parler d'un homme qu'on apprécie à mon avis tous ici, le grand Marcelo Bielsa, un peu plus en difficulté d'ailleurs cette saison. Ben oui, c'est de ça dont je veux parler, et puis c'est un peu une chronique pour répondre aux haters, parce qu'ils commencent tous un peu à me casser la tête à se réjouir des défaites de Bielsa. Alors oui, match passionnant à suivre ce samedi, avec d'un côté évidemment Thomas Tuchel, le petit génie premier de la classe, qui a réponse à tout, qui maîtrise son effectif de A à Z, et en face de lui, Marcelo Bielsa, grand romantique devant l'éternel, qui a une vision du foot qui lui est propre et le très particulière. Le petit gros fond de la classe. Commence pas, Jules. Tu vas le tendre. Alors oui, c'est vrai, cette deuxième année de Premier League, elle est plus difficile à gérer pour Bielsa. Oui, c'est vrai, le jeu de Leeds est moins flamboyant que l'année dernière. Mais déjà, partons du postulat de base, et vous serez tous d'accord avec moi, je pense, pour dire que Bielsa est un agitateur de passion. Et je sais pas si c'est exclusivement réservé à la France, mais ce que je disais en intro, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne vivent que pour célébrer ses défaites. Et ma question, elle va être très simple et volontairement excessive. Comment un individu peut se construire dans la ville en détestant Marcelo Bielsa? On va prendre pour exemple sa dernière conférence de presse où il dit « J'ai de sérieux doutes sur l'avenir du football professionnel. C'est un produit commercialisé qui devient toujours plus mauvais. Je suis très triste de voir comment le football se détériore. On veut vendre plus de matchs, mais on ne prend pas en compte si les équipes sont en mesure d'offrir de meilleurs résultats. » Je dis pas ça il parce que... Il n'aime pas les paris sportifs asiatiques, lui. Ah, je pense qu'effectivement, ça doit un peu l'empêcher de dormir le soir. Mais surtout, je pense que personne autour de cette table peut le contredire. On en a parlé plein de fois, des matchs internationaux, de l'équipe de France qui nous casse la tête, et au final, là où ça devrait être une fête et on devrait être trop content de retrouver les Bleus, finalement on se dit juste encore un match de l'équipe de France. Mais c'est évidemment pas une raison de son échec cette saison. Donc revenons au contexte et poursuivons sur la critique qui revient le plus souvent quand on parle de Bielsa. Il est pas fait pour le haut niveau parce qu'il use trop les joueurs. Et l'argument qu'on a encore entendu, pire argument évidemment, sa deuxième saison dans l'élite est toujours un échec. Donc en supposant que la deuxième division anglaise est un championnat de seconde zone et que Bielsa est arrivé en 2018, donc pour une deuxième saison dans l'élite, on repassera. Et surtout, en fait, ce qui m'agace le plus avec cet argument, citez-moi un entraîneur qui reste 3-4 ans dans un club et qui n'use pas ses joueurs. Citez-moi un entraîneur. Non, c'est dès la première année, lui. C'est vrai. Citez-moi un entraîneur. Bien tranquille. Je vous le dire, c'est très tranquille. Citez-moi un entraîneur avec des préceptes de jeu aussi établis qui, forcément, la première année va susciter l'admiration et forcément, la deuxième année, les équipes vont s'adapter. Il y a un joueur de Leeds, son nom m'échappe là, parce que je me suis un peu égaré sur ma chronique, mais qui disait ça dans un podcast. Il disait, c'est un effet qui est bien connu en Angleterre, la fameuse deuxième saison du promu qui crée la surprise la première année et qui, l'année d'après, est plus facile à contrecarrer. Ajoutons à ça un effectif qui a été vachement fragilisé par les blessures, avec Calvin Phillips qui a été blessé, Junior Firpo qui a mal commencé, Patrick Bamford, le meilleur buteur, qui a été absent. C'est ce que j'allais dire, ça joue énormément. Les raisons du début de saison, évidemment, ils sont nombreux. Alors, s'il vous plaît, foutez la paix à Marcelo Bielsa, laissez-le travailler tranquillement et sachez qu'à Leeds, comme dans tous les clubs où il est passé, il est adulé, il est aimé et il a enfin trouvé un public qui est à sa mesure, à savoir le public anglais. Et je suis sûr que, évidemment, cette fin de saison sera meilleure pour lui et qu'il continue à nous enchanter, que ce soit sur le terrain ou en conférence de presse. Et c'est marrant parce que j'avais pas la sensation dingue qu'il était super critiqué tant que ça, mais si tu l'as lu et que ça t'a blessé ton petit cœur, je veux bien. Non, mais Alex, il est à deux doigts de découvrir le concept des haters sur Twitter. Hein. Oui, c'est ce que j'ai dit. Bah, attends. Il est même à deux doigts de découvrir Twitter, tout quoi. J'ai eu mon premier smartphone hier.
Ouais, c'est marrant à ton âge. Et Non, mais plus sérieusement, rappelle-toi son arrivée à Marseille, il se fait désinguer non, partout. En France, je suis d'accord. Je me rappelle très bien sur Bean. Alors, tu parles peut-être des Français, mais en Angleterre, ouais, je pense des Français, qu'il lui laisse ouais. plus le temps que ça. Oui, ce que je disais, ouais. Je sais pas si c'est une spécificité mais surtout, française. Surtout qu'en plus, ou... je suis d'accord avec toi, c'est d'un mépris assez fou pour moi pour le Championship, qui est un championnat que j'adore et qui est pour le coup ultra usant avec son nombre de matchs dans tous les coins de l'Angleterre, etc. Donc, on peut même partir du principe que c'est au moins sa quatrième saison à haute intensité et que son groupe continue à suivre et que voilà, et en plus il est sauvé par le petit prince d'Ille-et-Vilaine Rafinha tous les week-ends. Ça c'est quand même ne serait-ce que si vous aimez le football, vous pouvez regarder pour Bielsa mais aussi pour Rafinha qui est un joueur formidable. Messieurs, c'est une belle manière de finir cette chronique d'une manière argentino-rennaise. Merci à vous trois pour cette nouvelle émission. Désolé encore pour les supporters bordelais, croise les doigts pour vous. En vrai, normalement, dès qu'on parle d'un club qui va bien, ça se passe très mal pour eux derrière. Là, on parle d'un club qui, avec un peu de chance, alors ou soit ils brûlent dans les trois semaines qui viennent, mais avec un peu de chance, on peut inverser la tendance. Mais tu vois, tu disais en début d'émission que finalement, toi, t'aurais pu présenter un dossier à la DNCG. Ça se trouve, dans 3-4 ans, c'est les supporters bordelais qui viendront te demander de faire ce dossier. Ou alors, ils vont peut-être faire comme avec les collectifs à Nantes ou reprendre le pouvoir de leur club et on espère. Oui. Et d'ailleurs, confirmation, Milan est éliminé de la Ligue des Champions, dernier de sa poule. Voilà. Ah merde, putain, bon, ça me fait de la peine. Ouais. On va finir là-dessus. Merci à tous. Vous pouvez retrouver sur notre site, sur Spotify, etc., tous nos formats, et notamment le dernier qui est sorti par notre compagnon Alex, le révolutionnaire, où on va revenir sur les joueurs de légende qui ont révolutionné le jeu, avec le premier épisode avec l'homme le plus classe du monde, Andrea Pirlo, qui ferait vaciller n'importe quel hétéro. Je me demande si c'est pas un Alexandrin, ça. Donc voilà, super format à retrouver sur notre site. On va en avoir d'autres d'ici la fin de l'année avec les classiques poteau carré. Val va revenir avec un super tableau ronde. On va avoir d'autres uchronies avec Flo, avec des sous le capot. Enfin, d'autres sous le capot. On va avoir plein de belles choses avant la fin de l'année. Donc checkez sous le sapin et surtout sur Internet Mondial. Ciao.